Salut les droïdes, on se retrouve sur Regatta TV, vous êtes en présence du Droïd Tech. Et oui, aujourd'hui on continue avec l'épisode 3 de Chasseur de Trolls, Protection Arcadia. On continue notre histoire, notre épopée, on va voir ce que ça donne. Le jeu, je le kiffe. Donc voilà, on continue ensemble. Bon, voilà, on sait à quoi sert la capture des nains. D'accord. Ok, c'est super dur. Ah ouais, faut gagner tout ça. Ah d'accord. C'est super dur. Impeccable. Ah ouais, là t'as la poêle et t'as le machin. D'accord. Voilà, un petit jeu bien sympathique. Bon, on est toujours dans la découverte de ce jeu. Je le connais pas, je suis comme vous, c'est la première fois que je lance. Du coup, 9 nains la prochaine fois. Bon, pas prêt de les avoir, hein. C'est que j'en ai que 12. Voilà. Donc là, on n'aura rien par là. Donc pour moi, on a fait le tour. Ça, c'est bon. Bonne chance. Flashback. Donc là, le journal des quêtes. Hop. Portugal, j'utilise la carte du temps pour retrouver Pargon. Ok. Faut que je retourne dans les cavernes Géode. Allez, c'est parti, on continue l'histoire. Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé? La carte du temps m'a emmené dans la caverne de la Géode sous le marché. C'est là qu'on a rencontré Merlin. Pourquoi Porgon irait là-bas? Je pense qu'il cherche le sceptre d'Avalon. Sa magie combinée à celle de mon sceptre pourrait permettre à Porgon de contrôler le temps. Contrôler le temps? Ça
peu grave, là. Pourquoi il veut faire ça? Ce qui m'intrigue, c'est que Porgon est loin d'être assez intelligent pour ça. Même très loin. Vous pensez que quelqu'un utilise Porgon? Gunmar, peut-être? Peut-être. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut trouver le sceptre d'Avalon avant Porgon. C'est capital. Je vais faire de mon mieux. Donc là, on voit qu'il y a un petit problème entre la musique et le son des personnages. Et voilà. Donc là, j'appuie sur L et R. On voit que ça se recharge tout doucement. Ouais, par contre, là. Ah, super. Tous ces cristaux, c'est magnifique. On dirait que ça continue à l'infini. J'ai toujours pas retrouvé le nain. J'ai essayé d'aller voir là-bas. Voir un peu, parce que du coup je suis pas monté là-haut. Je sais pas si je vais pouvoir. C'était juste pour une chaussette, ok. Bon. On va essayer. En tout cas, le jeu est super intéressant, jeu de plateforme, ça faisait longtemps que j'avais fait un aussi bon jeu de plateforme. Ça c'est fait. Et... Ce qui manque par contre, c'est un bouclier là. C'est fait. Ouvre l'œil, mon sceptre est là. Trop charmé. Compris. On me demande d'ouvrir l'œil. Qui en a un? Faut que je fasse attention à ma vie. Ouais, là je suis en train de mourir gratuitement. Un quart de vie là, bah j'ai eu les trois nains. Et voilà, ouais. Du coup je récupère les trois nains, nickel, je reviens sur un checkpoint. Faire un peu plus attention. Bon,
Je me suis loupé de peu. Je vais 4 chaussettes. Ok, et les 3 nains. Super. Super, super intéressant comme jeu. Moi, personnellement, je vous le recommande. Donc, pour Noël, à offrir à vos enfants et tout ça, c'est super, super bien. On voit pas le temps passer quand on joue au jeu. Petit jeu de plateforme super intéressant. Allez, on y va. Là, on continue. Il n'y a pas trop moyen de se perdre. Ok. Quand je perds de la vie assez facilement, c'est dommage. C'est à moi de faire plus attention. Fait. Si Porgon posait ma crasseuse sur le sceptre d'Avalon, il aurait le pouvoir de contrôler le temps, de le détruire même. C'est pour ça que j'ai pris un slip de rechange. Toby! Désolé. Non, j'arrive pas à l'avoir. Attention là. La musique a fait un peu épique. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi le dans les commentaires. Moi c'est mon ressenti. Hop, on a évité la charge. Ah. Il va être où? J'ai entendu un an là. Et merde. La synchro était pas là? J'ai vu le nain. Tu te souviens à quoi ressemble le sceptre? Aussi grand que toi avec une émeraude. Tout à fait grandiose. Ouais, je sais. Merde. Ah, c'est bon, c'est revenu. Je crois que j'aurais pu faire un saut, mais là. Il manque encore un an, mais je sais pas si je vais l'avoir. Je vais peut-être réussir le niveau avant. Ouais. C'est ce que je pensais aussi. Attention!
Regardez qui s'aventure dans l'étoile. Le chasseur des trolls. Je ne suis pas ton ennemi. Pas cette fois. Morgoth! Comment puis-je croire que tu es venu m'aider? Tu es plutôt venu me défier. Où est-ce le sceptre que tu veux? Aucun des deux. Je suis là pour protéger le temps face à Morgoth. Le troll Forban. Il est insignifiant. Le sceptre d'Avalon appartient à Gunmar et Laura. Oh, génial. Combien de fois je vais devoir battre ce gars? Donc là, on a affaire à un boss, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Oh, ça m'intéresse pas là. Oh, je vais mourir moi. Je peux même pas appeler mon collègue. Ça peut être long. Hein. À mon avis, on va pas le battre comme ça. Hein. Tu gardes ton sang-froid, chasseur. Sauras-tu garder ta tête? Eh ben non. Chaque fois je perds une vie. Sais-tu comment tu as survécu jusqu'ici? Bon, je suis encore mouru.
Bien joué, chasseur. Je t'ai sous-estimé. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois, mais aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Tu as besoin de moi? Oui, pour arrêter Porgon. Depuis que je suis sorti d'Aïssatoun, c'est l'être le plus agaçant que j'ai pu rencontrer. On est d'accord là-dessus. Très bien, chasseur de trolls. Je vais t'aider. Allons-y. Donc voilà pour l'épisode 3 de Chasseur de Trolls, Protecteur d'Arcadia. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 4. Moi, le jeu me botte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Salut sur Rigata TV. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.